J'ai le grand plaisir aujourd'hui de vous proposer une conférence de presse en présence de Jean-Sébastien Mialat, maire de Sifour, parce que nous avons convenu que nous avions chacun de notre côté des difficultés avec nos piscines. Pour celle de la Seine, vous connaissez la problématique, puisque c'est l'établissement lui-même qui n'a pas eu les travaux nécessaires à un bon fonctionnement de cet établissement qui reçoit quand même du public, et que toute la machinerie et tout l'arrière-office a été extrêmement dégradé et ne permet plus aujourd'hui d'avoir un usage conforme, en sécurité, des administrés. Donc le conseil municipal a voté la nécessité de la fermeture de cet équipement. Aujourd'hui, le bassin est toujours en eau. Nous assurons la sécurité pour la non-pénétration sur le site, qui est très important au vu des événements que nous avons eus sur d'autres lieux, notamment au Stade Léry. Nous avons convenu que cet établissement pouvait faire l'objet d'une mutualisation sur des problématiques que nous rencontrons, tant nous au niveau de la structure que Sifour, et je laisserai le maire l'expliquer, sur le fonctionnement d'un équipement qui a déjà une certaine ancienneté. Ce projet de mutualiser cet équipement nous contraint à avoir une analyse fine du fonctionnement, de la capacité qu'aurait cet établissement à recevoir notamment les scolaires de la ville de la Seine et de la ville de Sifour. Pour autant, nous avons conscience que la mutualisation est aujourd'hui une source d'économie et une rationalisation de nos équipements. Nous en avons parlé au président de la métropole qui, sur le principe, est d'accord pour venir abonder les travaux de réhabilitation de cet équipement si nous trouvions, nous, ville de la Seine et ville de Sifour, un accord pour faire fonctionner cet établissement dans de bonnes conditions. C'est au-delà de nos deux villes, tout l'intérêt de ce bassin de vie du Toulon-Ouest qui est en jeu, puisque au-delà des scolaires, nous savons que vous êtes nombreux, habitants de ces deux villes, mais plus largement de ce bassin de ville, qui est Toulon-Ouest, à venir profiter de cet équipement qui est quand même magnifique. Parce qu'au-delà d'un équipement fonctionnel pour l'usage de la natation, nous avons aussi là un lieu de divertissement, de loisirs. Et c'est aussi l'objet de cette étude, de savoir si aujourd'hui nous devons nous contenter d'avoir un bassin sportif à l'usage des adhérents et des scolaires, ou si nous avons possibilité d'élargir la vocation de ce site avec plus de loisirs. Et c'est bien cette étude qui nous le dira. Je suis très heureuse que cela puisse être une ouverture sur la résolution de ce problème, car je sais qu'il est très important pour les scolaires, puisque c'est une obligation dans le cadre de l'enseignement, donc c'est l'aspect pédagogique qui nous tient énormément à cœur. Donc c'est une obligation qui nous est faite et nous cherchons des solutions activement. Mais la proposition de mutualiser cet équipement est tout à fait bienvenue et nous met du baume au cœur dans la résolution pour les habitants de ce West Waff d'avoir une piscine de qualité et qui offre de très nombreux services. Jean-Sébastien Mialat, je vous laisse la parole. Madame le maire, vous avez résumé la situation. En fait, la ville de Sifour avait projeté de construire une nouvelle piscine. Les circonstances ont changé, le prix de l'énergie... Beaucoup de choses font que nous y renonçons. Nous y renonçons parce que l'argent public est rare et de plus en plus rare. Et il nous est apparu, notre piscine actuelle est vieillissante, il nous est apparu qu'il y avait moyen de faire des économies et d'avoir un équipement qui fonctionne si nos deux villes s'associaient. Alors nous sommes à la toute première étape de ce travail, c'est-à-dire nous lançons un marché commun pour désigner une assistance à un maître d'ouvrage dont le but est de faire l'état des lieux, bien sûr, voir quelle est la structure juridique qui pourrait être mise en place entre les deux villes et recenser aussi les besoins, étant entendu que je pense que Nathalie Bucquet partage le même objectif que moi, l'essentiel, c'est quand même le service public, l'apprentissage de la natation pour les enfants et les bassins sportifs pour les associations sportives. Alors, je pense au Cachalot à Sifour, mais je ne doute pas une seconde que vous avez une très belle association
à la Seine. Donc c'est l'AMO qui va faire ce boulot. Notre conseil municipal va délibérer cette semaine pour lancer le marché en commun.